Salut à tous, comment ça va? Je vais peut-être baisser un peu la musique dans vos oreilles. Ça devrait être bien. Je vais baisser la musique dans mes oreilles aussi. Grâce à mon superbe casque G430, placement de produit. C'est formidable. Salut Pierre Gaming, c'est Dro, c'est Xolawa, salut Flamme Noire. Comment ça va tout le monde? Bon. Alors, Smog on Tour. Que j'ai loupé, donc, où j'ai loupé le début, évidemment. Puisque je suis un sac à merde. Voilà. Donc, c'est formidable. Hop. Formidable. Salut, Suxis. Des bisous. Et merci à SSM Romario pour le follow, des bisous. Vu que j'ai reboot mon Mac totalement, en fait j'ai perdu toute ma config de base de stream. Donc du coup il a fallu que je refasse tout à l'arrache. Donc du coup en fait jusqu'il y a un petit moment en fait les alertes n'étaient pas mises. Tiens, on va aller voir Corby. Bizzuf. Wouah. Corby qui joue une team, waouh. Alors à tout moment évidemment ça va laguer avec les sprites 6G. Ouais, ça lag totalement avec les sprites 6G, donc du coup on met les sprites 5G. Formidable. Putain, le match est au 71ème tour. Oh, en fait on va pas regarder ce match là. Parce qu'on va se faire chier. Donc du coup on se casse. Ah merde, on me fouga... Non, si. Non, ah mais non, ça c'est pas un match officiel ça. Donc on s'en bat les couilles. Crystal Cœur, je crois que c'est un mec de la OMFR ça. J'ai lose ma R2 versus Lord. Ah, t'as perdu contre Moons. Oh bah t'as pas de regret. T'as pas de regret si t'as perdu contre Moons. Lord HEC. Je me demande bien qui est Lord HEC. En vrai, si le Bisharp est Scarf, Crystal win la game. Il me reste encore le Zard. Qui fuit la config de la team est sans doute un Zard X. Ouais, non, mais Moons c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs en Horace. Hein. Y a pas à chier. Hein. Depuis Boudouche, je crois qu'on a pas fait mieux en France. Hein. Ça envoie le Zard, Moonblast. Ça saque le Zard. Ouais. Ouais. T'as envoyé Crodunt. Ouais, voilà. Et là, si c'est un dieu, il fait Sword Dance. Ou Dragon Dance au choix. Ouais, Crystal, c'est un mec de OMFR. Ouais. Il semblait bien que j'avais déjà vu son pseudo. Là, en vrai. Exas qui se bâche direct. PD répond à tes messages. Oui, c'est bon, ça me va 21h pour demain. T'inquiète pas, bébé, tout va bien se passer. Tu vas te faire dépuceler comme au premier jour. Le Knockoff, très bien anticipé de la part de Crystal. Le Choice Scarf du Jirachi et la mort du Jirachi. Là, ça va être plus compliqué. En vrai. Il a quoi maintenant pour stopper Dragonite? Donc là, ça va sans doute être une ex. Bon, si le. Oh, peut-être. Oh. Je pense pas que vu la team, le Dragonite soit Bander. Oh, qui tu es? Bon, si en vrai, peut-être le Dragonite peut être Bander. Mais j'y crois pas trop. Et là, en vrai, je pense qu'il va y avoir une façon, une Extreme Speed qui va partir. En fait, Crystal a lose, hein, je pense. Hein.
Là, concrètement, ça me paraît assez compliqué. Ça me paraît assez compliqué. Non, Aqua Jet, très très bien. Donc, du coup, ah bah, il va pouvoir DD. Voilà. Bah oui, très. Au final, Lord HEC a très bien joué sur ce coup-là. Puisque, en fait, c'était évident que Crystal allait mettre final un Aqua Jet. Enfin. Dudrigeon. Ouais. Dragon Claw, ça tue. Peau dure, casque brut. Ouais, et c'est le GG, hein. De toute façon, il peut rien faire. Non, c'est fini. Si le Bishop avait été Scarf, il y avait moyen. Avec Iron Head, hein, ouais. Mais de toute façon, ouais. Non, c'est mort. Crystal, donc, il perd R2. Au T2. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Corby, donc on a dit non, c'est mort. Truc machin là. Ah, il y a Finchinator qui joue. Ah, Finchinator, évidemment. Est-ce que c'est vraiment un match officiel? Je sais pas. Oh merde, pardon. J'avais oublié qu'avec la souris de mon Mac je pouvais zoomer. Ouais, je regarde dans le lobby quand même. Est-ce que c'est pas... Ah bah c'est le R4 carrément, je crois qu'il commence en fait. On a loupé le premier tour, donc il y a eu un Flash Cannon qui est parti en anticipation du Melodef avec le Hydreigon. Hydreigon qui est sans doute Scarf. Je sais pas trop ce que ça a anticipé du côté Tinchinator. En vrai, moi je pense que le moment là était un play safe plutôt, mais. Après, Century Express, un très bon corps défensif composé de Crapustule et de Hermure. Qui est un corps qui fait ses preuves. Même si. Serperior se fait légèrement la team. Si le Melodef est pas inconscient. Et j'espère pour lui que son Melodef fait inconscient. Parce qu'en vrai, sinon, il a vraiment un gros problème avec les Pokémon qui se placent en vrai. En fait. Notamment le simple Pyrax avec Giga Drain. Se fait sa team. Il y a Wally Venusaur. Ah, très très bon match. Ah, excellent. Wally versus. Oh oui. Ah bah ça, on va aller voir ça tout de suite. Escadrille sage de la part de Wally. Rock tombe. Mais non, mais. Ah bah non, mais non, il a Mold Breaker, c'est vrai. Oh. Wally ce génie. Du coup, ça lui permet de placer les PDR. Va-t-il. Je vais nommer dans une zone bulky. Ça, c'est la question. Là, en vrai, bon, je pense qu'il n'y a aucun intérêt de faire autre chose que Sword Dance. Puisque le. Pendant ce temps-là, Zenardark posait les vraies questions. Pourquoi le Rock Storm n'a pas. Oh, s'il a fait Close Combat, c'est un génie. Oh, séisme. Wally, ce génie du crime. Ça envoie des Meteoros, évidemment. Une fois méga évolué, Pinsir ne fait absolument rien des Meteoros s'il n'est pas placé. Est-ce que le Meteoros est défensif? Je ne pense pas. Non, je pense pas.
Si, si, les leftovers, donc si c'est un défensif. Donc du coup je vois pas trop ce que... Enfin, quoi était le Heatran en fait, mais... je pense que ça doit être un Scar peut-être, je sais pas. Outrage, donc très très bien. Mais de toute façon je connais cette team de Wally, puisque c'est celle qui m'a éliminé au T2 de la... de Gaming Live Tournament. Aishard, la Yashberry, je le savais. Ouais non mais là Moon si... c'est over là. Moon c'est ce génie du crime. Hein. Ce Wally ce génie du crime. Salut gars, comment vas-tu? Donc là. Là va y avoir méga évolution. Je pense que le plus safe. Oh j'aurais pas sac. Ah j'aurais pas sac le chomp moi. Ah tu veux, bah en fait non il dépassait plus rien, en fait je suis con, c'est vrai c'est pas un Scar. Donc là je pense que c'est... En vrai il a un sale match-up face à Manectric. Là Wally il est un peu dans la merde. J'ai l'air à l'adore en ce moment, mais ça va. Maintenant, ouais. Enfin, bon, on l'adore Horace maintenant. Enfin, dans 2 mois, on va lui dire au revoir. Hein. Même pas. Même un mois et demi, même plus. Hein. Azumarill. À Sauvest. Je le connais dans la team, il a Sauvest. Pourquoi il a fait Aqua Jet? Abruti. Anbaté, il fallait faire Play Rough, hein, c'était évident. Anbaté. Ouais, en vrai, Manek peut remonter la game. Hein, totalement. Parce que zone fait, Manizone ne fait rien. Weavile peut juste l'endommager avec Ice Shard. Bien joué de la part de Moons. Le Manizone... Ah, c'est un Spexanétique. Il me semblait qu'il était Scar dans la team. Pas grave. Là, le problème, c'est que du coup, il a pris des dégâts... trop gratuits. Est-ce qu'il y a la poursuite? Non, pas de poursuite. Non, c'est fini. Non, c'est fini pour Mons. Weavile finit toute la team. Et bien, c'était un match expéditif. Hein. 15 tours. Bon, évidemment ça tue pas. 1-2 ça tue pas. Rock Polish. Ouais. Juste pour montrer le beau jeu. Ah bah GG à Wally hein. Mais bon. Bah du coup ouais. Mort. Là c'en est où dans ce match? Le match de Finchinator. S'envoie Megalocpin sur Tyranocif quasiment mort. Un œil Jumpkick qui va se perdre. Ouais, Power Up. Power Up Punch, très très bien. Là, c'est un peu la PLS là pour. En fait, c'est totalement la PLS. Je me demande si c'est pas totalement la PLS là. Il n'y a pas le choix, il faut qu'il ramène son Cleffa. Hein. Cleffa, il est à combien de pourcents? Ah, il est à 44%. Là, je crois que l'Opuni finit la game, en fait. Là, je crois que l'Opuni finit la game. Revolver. Ouais. Oh, le vilain Scarf qui mise son Focus Blast. Oh, le vilain. Bah là, c'est mort. Là c'est voilà, Centurie Express, évidemment c'est fini. Là c'était mort. Alors qu'est-ce qu'on a comme match? On a Jimmy Turtwig. Jimmy Turtwig qui est un bon joueur évidemment.
Manafi placé empoisonné. La PC feu. Manafi PC feu. On le voit rarement, mais en vrai, il fait le café à Manafi PC feu. Poursuite. Moi, je pense qu'il y a poursuite. Moi, je pense qu'il y a totalement poursuite du tir nocif. Qui. Je pense. Non, je vois pas Scar dans cette team. Moi, je vois plus le Demetero Scar fait avec le Clefa en fait qui pose les rocks. Après, je sais pas trop, du coup, j'ai pas assisté au début du match, donc je peux pas dire. Stone Edge. De toute façon, il est bloqué. Il y a une grande chance qu'il soit bloqué. Mais moi, du coup, je vois bien le Titar Bander en fait. Sabelov est sur Ring Knight. Ouais, on ira voir peut-être après. Mais là, moi j'aime beaucoup Jimmy Tortwig. Hein. Je trouve que c'est un bon joueur. Des teams assez rigolotes par moment. Dimiteros. Hammer Arm, ça ne fait absolument rien. Rock qui est le maître, donc non, donc c'est le Dimiteros qui pose le rock. Donc peut-être éventuellement que le Tyrannosif est Scarf, mais j'ai du mal. J'aurais du mal à y croire. La Dimitor Pig est quand même assez dans une mauvaise posture. Un vrai aurait double switch Rotom. Ouais, c'est vrai que le double switch Rotom aurait pas été aurait pas forcément été forcément dégueu. Je suis assez d'accord. Mais après bon, Ice Punch reste une valeur sûre hein. Hop, pardon, désolé. Attendez. Attends, je suis désolé, je prépare mon setup juste pour fumer. Attends, elle est pas sous mon image là. Oh. Merde. Là. Boum. Je vous nique. Voilà. Donc du coup j'ai rien commenté. Mais évidemment, bah après voilà, après quand voilà, là par exemple, c'est facile de dire ah bah oui, non mais normal c'était mieux de faire ça. Bah oui, mais après bon voilà, la pression des tournois, etc. Hein. Demeteros face à Landorus. Alors, Landorus perd son duel. Oh putain. Tyr Nocif perd son duel, pardon. Mais ça décide d'un tis. Ouais. Il a dû anticiper le Clefa. Mais là, ce coup-là, l'anticipation était pas folle. Donc là, en vrai, là, je pense qu'il... Ouais, Will-O-Wisp, ouais, c'est ce que je pensais. Mais...
Enfin là, Volt Switch aurait été beaucoup plus intéressant. Pain Split, bon ouais, d'accord. Calmine, là, faut faire quelque chose très vite. Et là, Become Diesgeld, qu'il a. En fait, le truc, c'est est-ce qu'il a lance-flamme? Voilà, de toute façon, il traîne le bloc totalement. Ouais, je sais, je le croise souvent sur le ladder. Il est très réputé en ce moment, celui-là. Donc là, le Clefa est taunt, donc là, en fait, il va pouvoir. Oh putain, crit, d'accord. Si on y va 13% par 13%, on est pas rendu. Puis en plus, la drop d'attaque SP, putain, oh là là. Non, mais sérieusement, les gars. Bon, on va regarder notre match, parce que là, on se fait chier. Que c'est de la merde. Lord HEC. Je me demande si Lord HEC c'est pas MV. Je suis pas sûr. Un petit scald. Ça ne brûle pas évidemment. Par contre, le Keldeo qui est empoisonné, c'est assez badant. Sachant que Keldeo se fait les trois quarts de la team. Sur tous les specs en fait. Mais je. Ouais. Je pense pas que ce soit specs. On a des infos. Non, on a aucune info à part qu'il a fait scald. Donc en vrai. En vrai, c'est compliqué. Après, bon, techniquement, il place Zardix, c'est GG, mais. Enfin, sauf si. Bah, s'il a séisme, en fait. Non, oui, si le Zardix a séisme, c'est GG, en fait. Mais. Bon, quoi que, il y a encore le Lando. Sans moi, Jirachi. Non, Jirachi, elle reste, donc du coup, je pense que le Keldeo est Scarf. Ça envoie Tran. U-turn. Donc, ça va envoyer des Météros. Ça protecte. Ça fait séisme. Envoie le slowbro. PC, glace, loupé. Loupé. Alors, franchement, je vous dis, pour que le Demeto soit PC glace, je pense bien que c'est Lord MV. Lord HEC. Donc là, bah, là, je pense. Enfin, là, il y a Mangame. De toute façon, le slowbro, elle reste. Donc, si jamais il y a demi-tour, de toute façon, le demi-tour n'en sera jamais perdu dans le vent. Du coup, ce serait Jirachi qui aurait posé les rocs. Parce que ce Demeteros aussi, il m'a l'air quand même bien offensif hein, s'il a la PC Glace. Après, quoique, hein, même je pense des Météros défensifs, PC Glace, je pense que ça doit HKO ça doit HKO l'autre Landorus. Landorus adverse. U-turn, donc voilà, comme je l'ai dit, c'est pas perdu dans le vent. Hop, voilà, formidable.
Tac, 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 tac. Ouf. Donc là, là ça va sans doute envoyer mon Gus peut-être. Ou Jirachi, ouais. Jirachi, il prend la burn. Ça va réduire considérablement son staying power. Du coup. Dis-moi qu'il y a un besoin sur ton Jirachi. Oui! Le besoin, il va ramener Keldeo. Très très bien joué. Moi j'aurais, enfin, après je sais pas, le Clefa a combien de pourcents? 36%. Il dort en plus. Ah ouais, en vrai c'était compliqué. Parce que du coup en fait, moi j'aurais pas, personnellement j'aurais ramené quelque chose qui, à la place de Souline, j'aurais ramené quelque chose justement, enfin j'aurais anticipé besoin et mettre quelque chose en fait qui bloque totalement Keldeo. C'est-à-dire soit Slowbro, soit Clefa, mais Clefa est plutôt endommagé. Donc c'est compliqué. Hydro Pump. Donc il va ramener Slowbro. Donc voilà, il ramène Slowbro, il drop un qui miss. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais... Mais le Slowbro fait vraiment chier lors d'HEC, hein. Je sais pas du... Je pense qu'il a dû se faire trap kill son Latios. Oh, le Calmine. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est la méga. Ah, mais c'est vrai que c'est la méga. Petit shot, 100%. Ouais, le clear smog, évidemment. Là, ça va re-switcher. Le Slowbro bloque quand même totalement la team. U-turn. Petit choc. Et là, le petit choc tue. Wally versus Bush. Ok. Je note. Attends, on va fermer ce match inutile là. Ah, le match a pas encore commencé, je pense. Ok. Ah, c'est... Non, t'as vu ça sur la thread, je pense. Sur le thread. Le Meteoros, Earthquake, ça fait rien du tout. TGG de Soulwind. C'est le GG de Soulwind. C'est fini. En même temps, la team a vraiment un match-up dégueulasse à Sassobro. C'est con, mais le match-up était vraiment dégueulasse face à Slowbro. Oh, la burn, mais qui arrive bien trop tard. Ouais, sur le topic, ouais. Et bah, GG à Soulwind qui donc sort Lord HEC. Qui, je continue à persister et à penser que c'était personne d'autre que Lord MV.
Apparemment, bouche touche et offline. C'est ce que dit Wally sur le chat général. Regardez. J'ai fini Chinator. Jirachi, si on voit comme ça, c'est qu'il est scarf. C'est cramé. Est-ce que le demi-tour? Le demi-tour. Ça prend que la peau dure. Ouh, attention. Ça, ça veut dire bonjour, je suis un autre item que le casque brut, donc je ne suis pas défensif. Scarf peut-être, hein. Moi je pense. Ça envoie la Thios évidemment, ça ne prend pas de risque. Scald, ouh, vu les dégâts, c'est un specs, mais enfin, vu la team, ça se voyait aussi. Oh, le séisme! Ouh, Finchinator là. Attention, mon ami. C'est vrai qu'après, Jirachi est un choix logique. Après, je. Je sais pas si. Est-ce que franchement, l'Athioséisme a vraiment sa place dans cette team-là? Je remettrai pas ma main coupée. Là, faudrait foutre un petit coup de secret. Histoire de calmer bien tout le monde. Scal. Là, ça semble te ramener. Oui, oui, c'est vrai. J'allais dire Flambusard. Non, c'est vrai qu'il y a encore trop de menaces présentes pour le Flambusard. Et que Latios est un choix assez logique. Que là, la Dracométéor tue tout le monde. Y compris le Latios adverse, évidemment. Même si le Latios, je pense qu'il n'était pas obligatoire. La victoire. Parce que là, ça crunch, ça poursuite. Ça tue quand même, évidemment. Sachant que normalement, je crois que le Latios. Avec séisme, il joue avec une nature moins défense, je crois. Donc là, évidemment, si on regarde chambre, ça va sans doute faire un séisme. En vrai, faut qu'il garde Tyrannosif. Faut qu'il garde Tyrannosif. Ah, Cucu, il est pas. Enfin, ils sont. Enfin, moi qui joue double Scar, Finchinator. Mais ça m'étonnerait. Parce que du coup, si le. Ah, c'est une PSD bloquant, on va tuer. Ouf. Oh, ces dégâts. Parce que en fait, si le Tyrannosif et Choisker, c'est la meilleure réponse à Flambusard et à Aetran aussi. Ce stream a 1h30 du mat. Mais oui, mais en fait, ce stream était absolument pas prévu du tout. Puisque j'ignorais totalement qu'il y avait le Smogon Tour ce soir. Et en fait, moi j'étais tranquillement dans mon lit. En train de finir mon steak haché et mes pâtes en regardant Assassination Classroom. Le Scald, bon ça voilà, ça tue pas d'embrouille. Et là du coup ça ramène le Tal of Flame. Pollen Love qui vient de voler encore sa game. Ah bah tiens pour changer. Mais de toute façon les Pollen Love il a aucun skill. Il team build juste bien. Mais moi je suis persuadé que, enfin, moi je trouve pas qu'M Pollen Love est un super bon joueur quoi. Sur après sa flying spam, oh là là. Ouais. Sa flying spam qui se fait ouvrir en deux par méga tyrannosif. Crunch.
Crunch, ça tue. Pas d'amour. Là, c'est fini pour Daft Mao. Finchinator wins. Oui, parce que le flambeur va pas sur la team. Ça, je savais pas ça. Ça, je savais pas que la Flying Spam était de. Extra Shield. Boom, Finchinator wins. Ok. Allez, on refresh. Qu'est-ce qu'on a? Sabela vs Meru. T'as pas de nouvelles du match Wally. Ouais, pense à un, ouais. Bon, on attend bouche-touche tout le temps, toujours. Bon, allez, regardez le match de Sabela. Avec un Manafi paralysé contre la Tchouche gelée. Le combat des handicapés. Ice Beam, 26%. Il a bien investi ce. Ferrotorn. Ultran, la meilleure réponse à Ferrotorn. Mais évidemment, il est shield. Et là, du coup, Meru va pouvoir tranquillement ramener son. Somatisma laveuse. Sauf s'il anticipe éventuellement un éventuel toxique. C'est pas improbable, on a vu que les pièges du rock. Bon. On n'a pas plus d'infos. Si ce n'est que le Ultran aura les restes, oui. La plume. Ça va. Ouais, voilà, ça défrise la Tios. Et en plus, ouais, du coup, il récupère les dégâts qu'il a perdus grâce au Vampirène. Très bien joué de la part de Meru. C'est vrai qu'en vrai. C'est vrai que ramener la Tios en fait était. En fait, le choix le plus safe, puisque du coup, ça évitait aussi le toxique. Recover, très bien joué. Mais du coup, le Latios est à nouveau quasiment full vie. Le temps grosse qui tombe sur le Psyshock, évidemment. Oh là, la poursuite. La poursuite. Ah non. Rip. Ice Punch. Prend des dégâts. Sur un garçon qui n'était pas rôti à le mettre. Sans doute un chomp offensif. Poseur de rock, je pense. Parce que je pense pas que le Ferrotorn ait posé et les picots et les pièges de rock. Parce que ça n'existe pas. S'il a Hammer Arm, le Metagross peut être bien. Après, je pense que c'est du coup le. Non, il a pas. Non, c'est pas le cas, tu vois. Mais il a pas l'air d'avoir. Il veut remettre un coup de pression avec Ytran, mais je sais pas si c'est forcément le bon des deals parce que au final, Ytran prend de plus en plus de dégâts. Et que c'est un peu légèrement sa seule façon de gérer. Je dirais Ferro. Sauf si la Tios a HP Fire. Et quoique ça doit HKO. Ouais, c'est ça, oui, offensif Hello plus SR, ouais. Rotom, attention, est-ce que. Non, ça fait la plume. Le Rotom qui est quand même bien endommagé aussi. Thunder Wave de la part du Rotom qui a pris le toxique évidemment.
Alors le Volt Switch, il n'est pas forcément super malin. Parce que du coup, il va perdre le Switch Advantage. Sauf s'il met Ferro. Ou il va. Mais faudrait que le Metagross n'ait pas Bullet Punch. Alakazam. Oui. En vrai, pourquoi pas. Parce que le problème, c'est que Mega Alakazam, son tour de Mega Evolution, le Shadow Ball tue pas. De toute façon, ça avait là dit. It's over anyway. Et c'est vrai que c'est un peu mort pour Sabella. Poursuite. Je pense que concrètement, bah les couilles. Non, c'est mort pour Sabella. C'est mort. Poursuite. Ouais, c'est un bandeur, hein, de toute façon. Hein. Là, Ferro fini en fait. Ouais, même là, tu vois, oui. Bon. Tenter. Speed Tie. Gagne Speed Tie. Et c'est le GG de Meru. Pendant ça, du coup, bah Wally, je pense qu'il. Je pense que Wally est. Non, ne jouera pas contre Bouche Touche, puisque Bouche Touche a pas l'air d'être là. Il y a Boudouche, mais il n'y a pas Bouche Touche. Reste quoi comme game? Que des games nuls. Bah ouais. Ouais, je me dis bien. Activity win. Bon, bah sinon on attend des matchs intéressants parce que du coup, normalement, Ebillard, je crois qu'il a perdu. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui sont éventuellement intéressés que les t-shirts Smogon sont à nouveau en vente. Pour ceux qui veulent, il suffit de me demander, je passe le lien. Et que aussi, pour ceux qui sont fans de Pokémon, des sweatshirts Drop Draco sont aussi à nouveau en vente. Si jamais ça en intéresse. Mais par contre, les sweatshirts Drop Draco, par contre, faut se dépêcher parce que... Ah, chic, on voit ma team.
Les sweatshirts d'Empereur Daigo sont en vente que pour une semaine. Et là, ça fait. Là, normalement, on devrait bientôt être même arrivé à la. Je crois. Bientôt la. Le palais. Enfin, le. Voilà. Vous m'avez compris. Enfin, la fin du délai. Oh, la team intéressante de Pyraming. Intéressant. Très bon match-up face à 6 ans. Pardon. Excusez-moi, je. Alors, pour ceux qui ont. Sans doute, il y en a plein qui ont remarqué, mais je suis complètement enrhumé, j'ai chopé la crève. Bon, lui, Curem est un lead safe. C'est de la tuos. Ouais, Diclo. Hop, déjà, mid-bar sur lequel Léo, c'est très très bien ça. Formidable. Ah, si en poursuite, par contre, je suis à la merde. Non, y'a pas poursuite. Vector Mash, ça ne m'égaye pas. On va poser une rock. Ice Punch, ça tue, pas grave. Qu'est-ce que c'est tu? Non, pas en défense, en attaque, évidemment. Ah, c'est tu bas. Ah, tu bas. Nick Trox. Pose les cailloux, perd des météros. Sachant que moi aussi j'ai perdu le mien, c'est pas fou. On va Thias. Scald, ça fait rien. On defoil. Blast. Ah, deuxième Fireblast peut tuer. Très bien, très 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 bien. La race d'attaque évidemment, hein. On notera. Oh, puis le crit, vas-y, nique ta mère. Nique bien ta mère.
Hop, la KB shop. Normalement, KB shop à kill. Non, je suis con, j'aurais dû. J'ai tellement. Et non, ça tue pas mon gars. Non, le scarf tue pas. Et c'est, je pense pas que ce soit un rôle. Oh, genre ça tue pas. Merde, nique ta mère. Ouais, nique ta mère. Allez, champ à crit. Un roll, c'est mieux. Allez, et maintenant un crit. Non. Ouh. Oh, le max roll. GG. GG Pierre Gaming. Bon, pour ceux qui auraient pas deviné, hein, le Fulgurus était Banda dans cette team. Hein. C'était un Fulgurus Banda. Ah, Wally contre Finchinator. Wally légèrement en difficulté face à Mega Pinsir. Sauf si le. Ouais. Non, en vrai, il est gros 50-50. Soit il anticipe. Il fait séisme. Soit il n'anticipe pas, il fait Richard et ça switch. Ouais, il était cool le match. C'était un petit match rigolo. Bon, en vrai, le crit sur Savion m'a fait chier. Mais bon. Tant pis. De toute façon, c'était pas un match. C'était pas le match de ma vie. Mais comme quoi, Bander Fulguris, hein, c'est rigolo. En vrai, là, c'est une team SD Baton Pass. Hein. Comme dont je le secret. En fait, c'est mon ancienne team SD Baton Pass avec Koopa. Mais du coup, j'ai remplacé Koopa par Fulguris. Qui reste assez strong. Et qui notamment permet de bien lure les Chansey. Super Power tue pas je crois mais il a anticipé. Secret Sword. En vrai le sac de Jancy était logique. Oh non c'est pas un scarf. Oh c'est pas un scarf. Oh je ne suis pas scarf. Par contre toi t'es scarf en face. Et c'est mort. Là je crois que Finchinator a compris que c'était GG. C'est BG Vendor. Bah ouais c'est BG Vendor Fulguris. En vrai j'ai eu ça en. En écoutant une vieille vidéo de Phil Drone qu'il avait fait sur la chaîne de Cisa. Et où il disait que parfois on pouvait croiser Zapdos ou Fulguris avec U-turn au lieu de Bolt Switch. Parce que du coup, en fait, il n'y a pas d'immunité. Et j'ai eu cette idée là en fait. Au départ, j'avais team build l'ultime qui était pas bonne. Et j'ai eu la flemme. Du coup, j'ai pris une ancienne team qui pouvait plutôt bien s'accommoder à Fulguris. Bander. Et après du coup ce qui est bien c'est que du coup je peux venir facilement sur les defog. Là lequel de rush a pas kill et c'est fini.
GG Wally qui fait tomber Finchinator. Alors je ne le dirai jamais assez je pense, mais Wally, autant c'est un très mauvais team builder, autant pour play c'est un dieu. Ouais, maintenant là on passe au demi. Donc évidemment tout le fan club de Wally est sur ce stream, évidemment, pas du tout. Ça dit dans le chat de du lobby du serveur que Wally est c'est un agressif player. Et c'est vrai que ces teams sont ultra agressives. Il faut savoir que Wally sait jouer que offense. Hein. Wally, j'ai jamais vu jouer autre chose que des offense. Hein. Et du coup, généralement, avec lui, en plus du fait que ce soit un bon joueur, généralement, les matchs vont vite. Bon, cela, Lefties, avec sa voix de Noiro, s'indigne du fait que Bouchetouche et Ebiar soient éliminés. On lui rappellera que Bouchetouche, quand même, a perdu sur une activity win. Alors attention, North versus Empo, donc du coup c'est je suppose que c'est la première demi-finale. Deux teams intéressantes. Deux teams très intéressantes. La team de North est très bien. Moi je la trouve très bon puisque au final on a sans doute le meilleur combo de lui qui est Landotios Keldeo. Qui est Specs d'ailleurs, mais ça vu la team c'était pas étonnant. Et pour combler sa seule faiblesse, Weavile, il a juste mis, enfin il a mis Keldeo quoi, mais enfin il y a que Keldeo en fait qui vient sur Weavile, sinon la team se fait arracher quoi. Mais après, la team d'Empo, la team est bonne aussi. Ce n'est quand même que Sulguris Nasty Plot 3 attaques avec la Life Orb lui arrache sa team. Après heureusement il a Crowdunt qui est là pour menacer d'un Aqua Jet. Mais qui peut vite se faire bloquer. Le Secret Sword qui tue. Le coup critique je pense c'est pas déterminant. Pour 57% je pense. Non, pour 57% je pense pas que le crit soit déterminant. Parce que généralement, je crois que pour la Thias, puisque je joue énormément la Thias, je crois que le Secret Sword de la Thias, sur la Thias, ça, d'un Scarf, hein, ça met 42%, je crois. La T-Way sur le Among Us. Le Clefa Ascender, c'est pas une mauvaise. Je pense que c'est même la meilleure option qu'il avait. Puisque de toute façon, le Clefa est bloqué par Itran. Et par Among Us, en fait. Des Météros qui vient sur le Scizor, Mega Scizor évidemment, ça pose les rocks pendant ce temps là, ça U-turn, ça se prend le Rocky Helmet, et ça envoie Crowdunt pour menacer d'un énorme Echo Jet. Et si Empo est un dieu, et est un homme qui a des couilles, il fait sabotage, chose qu'il a fait, puisque de toute façon, ça tue n'importe qui, le Keldeo,
qui revient pour menacer de sa lame. Perdre Crowdunt. Je suis pas fan. Du fait qu'il ait perdu Crowdunt, parce que moi je regarde le lobby. Tyrannosif qui est la méga. Dragon Dance. Là c'est. Ça va être compliqué pour Apple and Love là. Demeteros. Sauf que le Tyrannosif méga est très souvent joué avec point glace. Mais le Demeteros Scarf. Ouais. LOL. Mais en vrai, ils s'en bat les couilles. Puis de toute façon, là maintenant, quel déo rush la game. Quel déo rush tellement la game. Évidemment, le U-turn, ça va ramener des Metteros. Alors, soit il décide de sac son Heatran, soit il va envoyer Mangus. Chose qu'il fait, puisque le Heatran peut permettre de passer le Scizor. Éventuellement. J'aurais double suite sur quel déo? Ah, moi j'aurais double suite sur quel déo? Au lieu de switcher sur. Sur Tios. Magma Storm, putain, oh la vache, les dégâts sont au rendez-vous. Ce truc est totalement offensif. La taunt est bien jouée. Là, c'est fini pour Empo. Il peut rien faire. Allez, dis-moi que t'as Magma Storm là ce coup-ci. C'était évident. Mais non, mais c'était évident, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure qu'il a switché. Bon bref, c'est le forfait, on avait des tours de retard, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'au final on a pris le match au début. Mais bon. Alors attention, on va voir Wally versus Soulwind. Le match, je pense, va être super plaisant à regarder. Attention, on attend le match avec impatience. Donc match de demi-finale évidemment. Meru versus North, on s'en bat les couilles. Wally the Believer versus Soulwind, c'est parti. Attention. Oh, je connais par cœur cette team de. Wally. Ah, putain. Là. Et en face. Ouf. QRM sans doute Scarf. Moi, je veux bien Demeteros.
Double Dancer. Il y a un Starmie légèrement défensif. Tandis que de côté de Willy, donc du coup la team. Alors donc du coup, alors faut donc là le Metagross n'a pas Meilleure Arme, donc du coup il va se barrer. Le Manaphy joue avec la Wakanberry, le Fuguris et Nastiplot 3 attaqueurs. 3 attaques. Le Latias classique. Offensif Defogger. Le Chomp est défensif. Tandis que le Flambusard est Sword Dancer Sharp Beak avec Will-O-Wisp. Alors là, la question est... Oh, il a eu des couilles, Wally. Putain, il a eu des couilles de faire ça. Aïe, 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 Wally. Wally, mon Dieu, mais... Là, ça va méga évoluer, ça va faire Protect pour gagner des tours de toxique. De toute façon, il s'en fout parce que de toute façon, le Latias a Healing Wish. Petit Bolt. Ça se protège. Moi, je dis, il y a un Focus Blast menaçant qui va partir. Parce que le Focus Blast touche tout le monde. Le Focus Blast fait tellement mal à tout le monde. Même Flambusard. Même Demeteros. Wally ne cessera jamais de nous étonner. Ça réfléchit évidemment du côté des deux joueurs. Le Focus Blast, voilà 64%. Pour ça, je suis désolé, je vais couper mon micro, faut que je me mouche. Attendez. Deuxième Focus Blast, ça miss. Attention Wally à pas perdre le Fluguris. Voilà, désolé. Pendant ça, donc Soulwin est mis dans une extrême difficulté. Ouh, le petit Sword Dance. Ouh, le vilain. Je pense que ça a anticipé un futur Demeteros. Et que tout simplement Soulwin a su anticiper. Et là, c'est extrêmement bien joué de la part de Soulwin, mais il tente pas le versus. Surf. Ah ouais, le Manaphy est ultra offensif, hein, évidemment. Et la Psycho. Pas Energy Ball, il a Psycho. Le KB et Life Orb. Ok, très bonne information. Il a sans doute atterrissage, je pense. Ouais. Pendant ce temps-là, ouais, il va spam Ice Beam, mais c'est... Il est pas gagnant. Moi, personnellement, vu la compo la team, je pense qu'il peut ramener Metagross safe. En fait... Je pense pas qu'il soit. Vu la team, je pense pas qu'il est power. Ni PC feu d'ailleurs. En fait. La Wakanberry. Là, voilà. Oh. Wally, petit coquin. Là, ça va ramener Fero. Le Spins. Pardon. Non, pas le Spin. Le Defox aurait été pas trop mal, mais. Aussi d'envoyer Chomp. Ce qui est pas que con. Ça envoie des Metagross. Est-ce que ça a posé les rocs? Non! Ça fait leur squake en anticipant l'audience. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, c'était un 50-50 qui en fait était un. Un 33-33-33. Un tiers de 100 c'est 33,33333. En fait, il avait le choix entre soit poser les rocks, soit faire séisme, soit faire fire blast. Mais je crois qu'il. Oui, il a fire blast, je crois. Non. Ah, non, à moins que ce soit un. Non, je crois. Non, je sais plus. Non, je crois qu'il y a SD.
Bon, là, de toute façon, il a posé ses rocs. Il les ramène Latias. Donc là, je pense qu'il va faire Draco Météor. Et qu'après, il va veut soin sur Fulgurus. Non, pas du tout. Sword Dance. Oh. Brave Bird. Ça ne tue pas. C'est là quand même qu'on se dit que Hammer Arm sur Gross dans la team de Wally. D'ailleurs, Prof de Sino l'a dit maintes fois dans cette team. Le Gross devrait plutôt être joué Hammer Arm que poursuite. Bullet Punch. Bien, ça va les couilles. Ah oui, la séisme aussi, c'est vrai. La Wally qui est quand même mis en difficulté. Hein. Mais en fait, je pense qu'en fait, tout simplement, il essaie de choper le plus de dégâts possible sur le fer autant, tout simplement pour pouvoir après clean avec Fulguris. LOL, la proc d'attaque. Là, faudrait defog. Faut defog, là, en fait. Mais en fait... Ah, le Demeter Scarf, en fait, finit la team. Ah, mais non, il est pas Scarf. Non, je suis con. Demeter, c'est pas Scarf. Ouais, là, non, mais là, il n'y a même pas de question, il n'y a même pas de nasty plot à faire, hein, c'est marrant. À combien de pourcents le flow bizarre? 74, bah, il meurt pas. Il meurt pas sur le rock. Non, c'est mort. Wally a perdu. C'est mort, Wally a perdu. Là, de toute façon, il est obligé de tenter Focus Blast. Bon, tant mieux, comme c'est, il prend pas les dégâts de la Life Orb. La PC glace, hein, de toute façon, ça touche tout le monde, ça fait mal, ça fait ses dégâts à tout le monde. Voilà, ça ramène évidemment KB. Le coup critique n'est pas déterminant. Et là, normalement, Fleur Buzzard clean. À moins d'un rôle miraculeux. Mais sachant que... Même s'il y a un rôle miraculeux, comme j'ai envie de le dire. Malafi meurt sur les entrées hasard.
Ça affiche du côté de Sulwin, hein. En fait, il est en train de faire des calques. Ah, Prismet, des bisous. Ah non, le Manafi à 16%. De toute façon, il meurt. Non, il meurt sur les. Sur les hasards. Talon. Talon qui va vite. Normalement, Talon finit la team. Le chat de Big Bang en faux, j'imagine. Mais c'est mort. Mais c'est mort pour Wally. Hein. C'est mort. Il a mal géré avec son chomp. Et bordé. Et. Pourquoi? Mais non. Ah non, à moins qu'ils veulent le mettre dans une rage avec la lifeform. Bien. Parce que. Putain, s'il avait crit ou para. Mais bon sang de bonsoir, faudrait qu'il mette vraiment Hammer Arm sur son Metagross, hein, c'est pas possible. Féro, il fait chier toute la team. Là, c'est vraiment. C'est. Quoi? Oh, le coquin. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi Nasty Plot? Fallait retaper! Tu repasses, tu si j'ai. Pas grave. Mais non! Mais non, mais Wally! Ah non, Wally! Ah non, tu pouvais pas nous faire ça! Ah non, mais ça, Wally, t'étais. T'avais pas le droit! Pas possible, il est à choc. Obligé de le replay dans un coin. Bah le talon était. Ouais, le talon était sans doute défensif, mais. Mais non, mais là Wally il a fait. Je vais aller sur Big Bang, je vais aller l'insulter.
I trust my well-trained Pokémon qui dit Soul Wind. C'est beau. Ouais, c'est vrai que. C'est Grimmjow. Bon. Bon voilà, donc j'ai bien trash talk Wally. Donc voilà, donc là concrètement maintenant on n'a plus qu'à attendre la finale en fait. Normalement c'est ça, je crois qu'il reste plus que la finale. Si Pierre Gamin pouvait me confirmer. Ok, donc du coup normalement après la finale bah on arrêtera, j'arrêterai le stream comme ce sera parfait.
Bon bah en soi, à part voir des randoms se trash talk, bah on voit pas grand chose. Hein. Du coup, la finale. Normalement. Oh, attends. Attends, parce que je crois que c'est Meru qui est en finale. Face à Solwyn. Et j'ai dit: take my break. Oh putain. À mon avis, on n'est pas rendu. Je vais en profiter pour faire une petite pause rapide. À tout de suite. La musique a bugué apparemment. Bon, je vais régler ça.
Ouais, donc du coup la finale a démarré. Hop. Merde, attendez, voilà. Bon. Du côté de celui, une team bulky avec Mega Recross. Sans doute. Enfin, je pense que c'est Mega Recross, je vois pas Mega Latias dans cette team. Et du côté de Meru, ça joue une bulky off. Oh non! Meru. Le choc. Pas possible. Mais non, mais le... Évidemment que ça allait sub. Et là, voilà, évidemment, le ping missile très intéressant, très intelligent. Là, en vrai... Là, le Heracross, là, il fait sa vie, hein. Là, ça a ramené Mega Lakazam en RK. Latias. Shadow Ball. Non, psychique, ok. Saphir le Scarf, évidemment. Ce qui sont le cas. Là, ça ramène Mega Heracross qui va choper un kill, sans doute. Non, normalement, je pense que là, il est sous lui de notre rate calculée, mais normalement, je pense que Pin Missile tue. Donc, concrètement, il a aucun switch. Ah, ça tue par Rotom. Non, malheureusement la version avec sub qui est généralement plus bulky, elle est pas plus rapide que Rotom. Mais bon, je pense que le Latias de toute façon hiding wish, donc il s'en bat les couilles. Ça ramène la tueuse évidemment. C'était assez évident. Moi personnellement, si le Latios a séisme, je ferai séisme. Non, Psychic, donc je... Ouh. Ah oui, non, ça, non. Il a posé les rocks, c'est le meilleur moment. Allez, Kazam, Flashfire, évidemment. Voilà, posage de rock. Là, le plus intéressant, je pense que c'est de Sactangrosse. Ouais, ça qui trane, pourquoi pas, ouais. Bon. Mais je pense qu'il voulait pas ça qui traîne. Latias tient un coup. Manafion aussi. Et Demeteros est plus rapide. Je pense que cette finale va être expéditive. Et que ce sera la victoire de Sulwin. Là, concrètement... La team de Sulwin, elle a trop le match-up. U-turn, évidemment. Manafi. Ouais, il tient une power whip, mais... Mais faut qu'il se place quoi pour tuer avec Ice Beam, sauf s'il a PC feu. Donc là c'est très délicat. C'est très très délicat. Je pense que il va allumer que et Ice Beam quoi, mais... PC feu. Évidemment. La PC feu était bien là. Oh.
Hop là, ça va. Scal. Pourquoi? Ça a dû anticiper quelque chose. Le Weavile, sans doute. Mais il avait aucune raison de venir. Le Icebeam était beaucoup plus intelligent. Parce que même si Weavile venait, il aurait pris quand même de bons dégâts. En plus des pièges de roc. Tandis que là, Manaphy. Scal. Elle est peut-être pas Icebeam en fait. Alakazam. Qui va choper un kill. Ça renvoie des Météros et ça va Utah. C'est un BA3 de souvenir à la finale. Ah, peut-être, ouais. J'espère que le BO3 sort pas trop long parce que j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Mais j'ai envie de savoir quand même qui va gagner. Même si je pense que de toute façon, sous le win, tu vas gagner. Ah, le Healing Wish trop tôt. Ah non, pas que, pas con. La Earthquake. C'est en manche, c'est-à-dire. Oh, le Weavile et les bandeurs. Je crois pas qu'il soit sage. Ah mais là avec l'intimidation, je suis même pas sûr que je passe avec le bandeau. Non, le bandeau, je passe pas. GG sous le wind. Non, non, bah c'est... Non, là, normalement, c'est fini, je crois. Je vais m'en moucher une dernière fois. Voilà. Mais oui, j'ai chopé la crève.
Je vérifie quand même bien que ce soit fini. J'attends de voir si éventuellement il y a une annonce. Ouais, mais ça, dormir avec les trois, je sais. Thanks to everyone who participated. Non, je pense que c'est. Non, ouais, donc du coup, je pense que. Non, je pense que c'est fini, ouais. Ouais, non, non, c'est fini. Donc, Soulwind qui gagne. Non, pas le Spogun Tour, évidemment, mais. Je sais pas trop ce que c'était. Je crois que c'était une manche, tout simplement. Enfin, c'était pour savoir qui allait aller en playoff, je suppose. J'ose supposer. Allez, bon bah demain tout le. Enfin, demain. Je sais pas, peut-être à demain, ouais. Enfin, bonne nuit tout le monde. Des bisous, merci d'avoir suivi. C'était Dr. C. Bye.